Son corps pété, son corps cassé. Allez. Son corps pété, son corps cassé. On vous a offert, c'est gratuit, un gros pièce pour monter pour vous. Donc vous allez écouter. Je remercie le club 3e âge des Avirons et puis l'association 3e âge avec Colette Kadehebi, Madame Céamont, que l'invite à moi, au fond du cœur, m'a accepté cette invitation pour faire un petit spectacle avant la fête des meilleurs, pour embrasser aussi les 3e âge des Avirons. Et moi, on est content. Avec une danseuse, on a fait un petit spectacle, les autres, un petit résumé de spectacle qui démarre le 7 juillet au Théâtre des Sables, les Temps Salés. Et il compte 6 autres marmaillons. On dit, attends, il n'est pas donné. Oui, il n'est pas donné parce qu'il est à 15 euros. Pas cher. Tout le monde gagne. Hein. Bonne fête des meilleurs de toutes. L'association Les Longueuses avec le club du 3e âge des Avirons. Donc nous avons mis en place un après-midi récréatif donc en l'honneur de la fête des mères. Nous avons accueilli donc l'association L'Embellie pour animer donc notre événement, l'humoriste Léonus et Émilie, une talentueuse avironaise dont on va découvrir cet après-midi également. Et il y aura des ventes de produits faits main par nos adhérents, de gâteaux offerts par nos adhérents. Et en tout cas, donc, demain, j'espère que toutes les mamans seront choyées par leurs maris, leurs amis, leurs enfants et leurs petits-enfants. Bah, en tout cas, une excellente fête des mères à tous. Je pense particulièrement aux femmes du monde entier et aux femmes avironaises. Donc, on a voulu donc, vous offrir ce bouquet. Donc, c'est pour vous remercier aussi. Là, on remercie à travers Madame Céamont, on remercie vous, nos aînés, parce que vous êtes nos exemples. Donc vous êtes mon modèle, donc merci beaucoup. Nous avons ouvert la maison au club Les Longueuses pour animer cet après-midi à l'occasion de la fête des mères. Moi, ça a été un plaisir quand Colette est venue me voir. C'est une fille des environs hein, et qu'elle s'adressait aux plus âgés. Moi, ça m'avait vraiment plaisir. Encore un grand merci à Colette et à son équipe. L'actualité de la commune des Avirons dans Mons Avirons.